sur le ring. Et le voilà, on est bien. L'unique fils d'Enrique qui fait la monte en France. De regretter Enrique, qui nous a quitté il y a quelques saisons de désormais, qui était l'un des meilleurs étalons d'obstacles en France. On est bien, est né en 2006. Il fait la monte désormais au Haras de la Rousselière en 2017 au tarif de 1 500 €. Il est nouveau d'ailleurs au Haras de la Rousselière puisqu'il avait commencé sa carrière d'étalon en Normandie chez Fabienne Simoès en Normandie jusqu'en 2016 plutôt. Et donc il est nouveau dans la région pour la première fois disponible au Haras de la Rousselière en 2017. À côté carrière de course, on est bien, un fils donc d'Enrique, était facile gagnant du prix La Force. Il avait gagné le prix La Force sous l'entraînement d'Eli Lelouch, qui l'a beaucoup utilisé pour croiser avec ses juments à lui, puisque Eli Lelouch fait également de l'élevage. D'ailleurs, Eli Lelouch va encore une nouvelle fois le soutenir en 2017. On a vu tout à l'heure un de ses fils scandaleux, gagnant donc à Saint-Cloud, en course référence qui portait lui-même la casaque d'Eli Lelouch. On est bien 1m76, un fils d'Enrique avec une mère par Cardone, c'est Douce Elisa. Il a des statistiques impressionnantes, on va en parler dans un instant de ses stats avec Pierre, c'est ça, de la Guillonnière, ou Nelly, je ne sais pas, de la Guillonnière. Il est disponible bien sûr au Haras de la Rousselière, chez Pierre et Nelly de la Guillonnière, au tarif de 1 500 €, poulain vivant pour 2017.